Vas-y, parlez là. Non, ça c'est. Non, faire étalo. Ça c'est moi. Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live Bocal Academy et Code Dineo. Tu m'entends pas? T'as pas de son? Laetitia? Ici c'est mieux? Un, deux, un, deux. Test, test. Sinon, on se partage avec Laetitia un micro, hein, les gars. Sinon, on s'en
partageant. Hein. Ok, désolé, petit problème technique. On a deux micros sur quatre qui ont décidé de nous lâcher pile quand on attaque. Du coup, je disais bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour ce live Bocal Academy Codino en compagnie de Laetitia et Nicolas de Polarize. Bonjour à tous les Hello. Deux. Hello. Voilà. Allez, super. Oh, c'est bon ? C'est ok ? Allez, super. Bon, bah, je disais du coup bonjour à tous les deux. Merci d'être venus. On va pouvoir attaquer dans un instant. Alors, du coup, pour ce soir, au programme, bon, vous l'avez vu hein, dans le sujet, les métiers du web, mais plus précisément, on va voir trois grands corps de métiers du web, c'est-à-dire le développement web, le marketing digital et l'UI/UX. Et on va voir un petit peu comment ces corps de métiers, qu'est-ce qu'ils représentent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils travaillent ensemble, et surtout, vous, chez Polarize, comment est-ce que vous faites travailler tous ces corps de métiers et tous ces métiers ensemble. Et on va voir que ça, c'est différent pour chacun. Du coup, ce que je vous propose, c'est que pour commencer, déjà, on attaque par une petite présentation. Si vous pouvez rapidement vous présenter Polarize, un peu ce que vous faites au quotidien. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Nicolas Rachidi. Je suis le CEO de Polarize, donc une agence digitale dédiée aux problématiques de tunnels de conversion. Je pense qu'on y reviendra juste après dans les exemples de ce qu'on fait au quotidien pour nos clients. Mais pour faire simple, en fait, c'est une agence digitale qui crée des supports digitaux. Ça peut être des sites web comme des landing pages, par exemple. Et on accompagne donc du coup nos clients sur leur croissance digitale et faire de leur site un pilier de leur croissance. Donc votre but finalement un peu, c'est de créer de la visibilité web pour que après les entreprises puissent acquérir des clients, tout simplement transformer de nouveaux clients. Okay. C'est ça. Donc moi, je m'appelle Laetitia. Donc, au sein de Polarize, je suis Creative Digital Manager. Donc en fait, mon rôle dans l'entreprise, c'est de faire le lien entre les différents métiers du web. Donc ça veut dire à la fois intégrateur développeur, mais aussi avec les graphistes, web designers, et également toute la passerelle entre aussi le marketing digital. Donc en fait, mon but, c'est de coordonner tout ça. Ok, super. Bah, merci Laetitia. Du coup, Polarize, voilà, que vous avez découvert à l'instant, Nicolas et Laetitia qui vont nous accompagner pour le live ce soir et qui vont raconter un petit peu leur retour d'expérience et comment est-ce qu'ils travaillent sur ces sujets au quotidien. Pour rappel, du coup, nous, on est le Bocal Academy et Codineo, donc deux centres de formation justement dans ces métiers du web, c'est-à-dire donc à la fois sur la partie développement web, donc avec le Bocal Academy en présentiel à Nice et à Marseille, mais également avec Codineo partout en France, donc c'est au format complètement distanciel, hein, donc c'est-à-dire des cours à distance en vidéo, en live, avec un intervenant tous les jours, sur les sujets à la fois du développement, mais aussi du marketing digital ou de l'UX dont on va traiter ce soir. Voilà, donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à participer. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez les différents liens, donc le lien du Bocal Academy, Codineo et Polarize, qui seront disponibles en description de la vidéo. Du coup, nous, on va pouvoir un petit peu avancer sur le sujet, voilà. Donc, en première partie, ça va être un peu de parler de ces métiers, de ces fameux corps de métiers. Et on va commencer par les métiers du développement web, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de croyance un petit peu qui vient du tréfonds des années 2000, en fait, du fameux webmaster. Le webmaster, c'était ce mec un peu bizarre qui fait tout, qui va créer le site, qui va le développer, qui va l'animer, qui va faire modérateur, qui va écrire les articles de blog en même temps, qui va faire le design, qui va s'occuper de le référencer, de faire la com, d'aller sur les réseaux sociaux qu'il y avait à l'époque, en les années 2000. Bon, c'était limité, mais quand même. Donc, bref, qui va absolument tout faire. Alors qu'en fait, déjà, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et même au sein des grandes familles, comme le développement web, il y a différents métiers. En fait, il y a différents sous-métiers plutôt, comme il y a développeur front-end, développeur back-end, etc. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, déjà, ce que vous pouvez dire, vous, chez vous, les développeurs, développeuses web, qu'est-ce qu'ils font ?
concrètement? Alors chez nous, on a d'abord Mathieu qui est plutôt full stack DevOps. Donc lui, il va être vraiment au niveau de la partie la plus complexe du site. Et après, par-dessus, on a une couche d'intégrateurs. Donc on a deux intégrateurs. Et en fait, ils vont principalement faire toute la partie juste après le design. En fait, en premier, on a le design qui arrive. Donc on est une équipe de graphistes. On va créer tout ce qui est maquette, tout ce qui est visuel, en fait, le design du site. Et ensuite, on va transmettre toutes les informations sur une maquette et tous les exports d'images, etc., aux intégrateurs qui travaillent principalement sur WordPress. Ok. Et donc, sur la partie purement web dev, j'allais dire, chez vous, les développeurs, ils vont travailler sur la base donc, de ces maquettes, c'est-à-dire ces représentations de ce qui est souhaité, en fait, et ils vont en faire une réalité sous forme d'un site web ou d'une landing page qui, pour les dents initiales, une landing page, je laisserai Nicolas expliquer ce que c'est beaucoup mieux que moi. Voilà, c'est ça. Mais que la landing page, hein, d'un point de vue purement technique, c'est une page web qui existe toute seule et qui, comme son nom l'indique, est une landing page, c'est-à-dire une page d'atterrissage. C'est pour faire accueil et pour présenter quelque chose de manière, efficace. En fait, la petite spécificité, c'est que la différence avec une one page, je dirais que, comme son nom l'indique, c'est que c'est une page d'atterrissage, donc c'est forcément connecté avec des publicités ou en tout cas des canaux d'acquisition qui peuvent être souvent des annonces Google Ads, Facebook Ads, et ou d'autres types d'annonces pour faire venir des gens sur cette page qui est dédiée à des problématiques de conversion, alors que des one page peuvent avoir juste comme objectif principal de faire comme un site vitrine et présenter une société, mais en une page de façon simple et efficace. Donc la landing page est plus dans un objectif, on va dire, de conversion ou en tout cas d'un acte commercial en général. Ok, et donc du coup, chez vous, les développeurs et développeuses, leur but, c'est de, enfin leur fonction principale, c'est de développer cet outil-là. Oui, c'est ça. En fait, c'est répondre à des problématiques marketing et commerciales par l'intermédiaire du support qui est la landing page. Donc du coup, on est un peu sur cette niche de marché que plutôt de faire juste des sites web e-commerce ou vitrine, c'est s'intéresser sur ce support-là qui est ultra intéressant parce que ça répond vraiment aux besoins du marché aujourd'hui. C'est pas seulement juste un site vitrine qui fait un peu carte de visite, mais surtout en fait un site qui permet de déclencher du marketing automation, de déclencher des problématiques commerciales. Et aujourd'hui, le rapport qualité ou en tout cas conversion par rapport à l'investissement sur une landing page, il est deux ou trois fois meilleur que ce qu'on peut avoir sur un site web classique. Okay. D'où notre positionnement. Donc, d'où l'idée voilà, de faire appel à vos équipes de développement pour avoir développé ce type de site web très précis que sont les landing pages. Et donc, déjà, ça c'est assez intéressant parce qu'on voit finalement le développement n'est pas une finalité en soi de développer, on développe pour un objectif. Et du coup, le développeur fait partie et un des maillons complets de cet écosystème qu'est le web finalement. Et donc, pour élargir, pour terminer sur cette première grande famille, pour sa présentation rapide, les métiers du dev web, c'est en fait tous les corps de métier qui vont intervenir dans le processus de développement, donc d'écriture du code et de réalisation et même de conception d'un site web ou d'une application web de manière globale. Donc les développeurs autant front-end, donc c'est-à-dire toute la partie visible, ce qu'on appelle la partie client, c'est-à-dire ce qui se passe sur un ordinateur finalement, c'est-à-dire que vous allez sur un site web, il y a des choses qui sont téléchargées par votre navigateur web et qui vont s'afficher, et bien ça c'est la partie dite front-end, c'est-à-dire quand vous voyez telle image, tel texte, quand on clique sur le bouton il se passe quelque chose, ça c'est le front-end. À l'inverse, les développeurs back-end qui s'occupent de toute la partie serveur, c'est eux qui vont traiter les ordres qui sont transmis par le navigateur, qui vont envoyer les données, qui vont traiter la connexion, les paiements, le stockage des données dans la base de données, etc. Et derrière, il y a bien plein d'autres corps dans le développement même, développeurs full stack qui fait à la fois front-end et back-end. On va avoir même des développeurs qui vont être plus spécialisés dans certaines technologies, de développer de certaines manières. Voilà, on a parlé notamment de WordPress qui est fait en PHP, HTML, CSS et JavaScript avec React, notamment pour WordPress 5 Gutenberg, qui pour le coup utilise React, etc. Donc déjà, rien que développement web, c'est un univers très très large où on crée plein de choses différentes, mais encore une fois, on ne les crée pas juste pour le plaisir de les créer, on les crée parce qu'il y a un objectif derrière. Et pour revenir du coup sur ce que Laetitia, tu as dit tout à l'heure, le développeur, chez vous, il prend ses commandes, entre guillemets, parce que dans une entreprise comme la vôtre, où l'objectif avant tout est la conversion commerciale, hein, finalement, c'est plutôt de transformer, que quelqu'un arrive et a envie d'acheter le produit ou de faire partie de quelque chose. Le côté visuel, interaction et chemin utilisateur est super important. Et pour ça, il y a un autre corps de métier, le corps de l'UI/UX. C'est l'UI/UX, en fait, le but, c'est pas uniquement de faire un site qui est beau, mais aussi un site qui amène aux visiteurs à faire une action. Donc ça peut être soit
de cliquer sur un call to action, donc il y a un bouton qui va amener à l'achat. Soit ça peut être aller sur une page, visiter un acheter un produit, etc. Et en fait, du coup, le but, c'est que faire en sorte que le site et la page soient non pas juste belles, mais aussi fonctionnelles pour pousser l'acheteur à faire une action. Et comment aujourd'hui, toi, dans ton travail au quotidien, dans ton poste et avec tes collègues, tu travailles sur ces problématiques-là? C'est-à-dire, finalement, tu dis, voilà, il faut que le site soit beau, il faut que ce soit plaisant, il faut qu'il soit à la mode, il faut en même temps qu'il y ait le parcours utilisateur et que les interactions soient conçues pour maximiser ce que l'on cherche à faire, pour apporter du confort à l'utilisateur. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais en fait finalement au quotidien? Est-ce que c'est de la pure inspiration qui te vient? Non, est-ce en fait, que c'est des méthodes? Le principal, on va dire, c'est la demande du client. Donc en fait, on va vraiment analyser les besoins du client pour essayer d'être au plus près de ce qu'il a besoin. Et ça va être une recherche par rapport à son domaine. En fait, c'est très différent suivant les verticales métiers, de vraiment s'adapter en fait à ce que les gens s'attendent à voir sur le site. Parce que si la personne arrive sur un site et elle ne retrouve pas ses repères, elle va être vite perdue. Du coup, c'est important en fait de bien comprendre l'objectif de ce site ou de la page. Et après, à côté, on a aussi un travail de veille en fait, où on va regarder comment ils font ailleurs, comment voilà, des inspirations, etc. Et aussi, on a des techniques qui ne sont pas forcément design, mais qui sont plus dans la fonctionnalité de l'UX. Ça va être le page speed. Est-ce que le chargement va être long? Est-ce que la personne va devoir trop attendre? Est-ce qu'il y a des images qui vont s'afficher trop tard? Enfin, c'est plein de petites choses en fait qui vont faire que la personne va aller jusqu'au bout en fait de la visite du site. Et finalement, voilà, sur le côté UX, donc user experience, ce que tu ça, dis, c'est que il faut donner la meilleure expérience pour que la personne se sente bien quand elle arrive sur le site, qu'elle se sente un peu à la maison, qu'elle ait ses repères, qu'elle ait le petit bouton où on va cliquer là-haut, le petit truc qui fait qu'on sait où on va, quoi. Et donc, ça aussi, super intéressant à souligner, c'est que c'est pas... Voilà, pareil, on se dit finalement, le développeur, c'est aussi celui qui va concevoir la page, celui qui va l'imaginer. Bah, pas forcément, parce qu'il y a tout un travail de recherche, comme tu dis, il y a effectivement... Voilà. Il y a un énorme travail de recherche, en premier lieu par le marketing digital, et puis tout le côté qui arrive en amont, enfin avant plutôt, tous les échanges avec le client, donc ça c'est plutôt Nico qui va expliquer après. Et nous, en fait, une fois que cette partie est faite, on reçoit le brief côté designer. Et là, on va essayer de faire d'abord ce qu'on appelle un wireframe. Donc, c'est des gros blocs, en fait, pour savoir où mettre les infos. On a un outil qui s'appelle Figma, qui est génial, qui est collaboratif. Donc, c'est principalement sur ça qu'on travaille pour les sites web. Et après, tous les éléments, c'est sur Adobe. Mais donc, on commence par ce wireframe et on met en place, en fait, les grosses parties du site. Et on voit si le site, dans sa globalité, en fait, il est cohérent, il est lisible. Et ensuite, par-dessus, on met toute la partie design, donc... voilà ce qui va être sympa, les couleurs, les photos, etc. Les typos qui aussi qui sont très importantes. Et donc voilà, il y a tout un tas d'outils, tout un tas de pratiques, et c'est un vrai métier. Encore une fois, je reviens sur le cliché du webmaster. C'est pas la même personne. Il y a vraiment du vrai travail. Il y a assez de travail pour que ce soit des personnes dédiées qui s'occupent de ça. Ah, complètement. Et pas que ce soit fait à l'arraché sur un coin. Ceux qui disent que non, on peut le faire à l'arraché sur un coin de table. Leur chacun, site en général, ça se voit que ça a été fait comme ça. Chacun a son aussi. Expertise au final, parce que le graphisme et le développement, c'est des façons de penser qui sont complètement différentes. Pour avoir fait des études en graphisme et travailler là-dedans, mais aussi avoir fait la formation du coup au Bocal en web, en fait, c'est deux choses qui sont complètement différentes et c'est pas la même façon de travailler. Donc, c'est très important en fait que chacun ait sa place et qu'on arrive à coordonner tout ça. C'est vrai qu'il y a un côté coordination, on y reviendra hein, tout à l'heure, qui est vachement important parce que le développeur est... et le spécialiste UX ou le designer d'UI ne s'entendent pas forcément toujours sur les sujets, ne serait-ce que pour dire mais pourquoi ça ressemble pas à ma maquette, ah bah, c'est pas possible, ah bon t'es sûr, enfin bref, on connaît on tous a beaucoup de soucis. Voilà. Ça arrive très souvent, le responsive aussi, gros souci. Ouais, le responsive, donc bien le côté on s'adapte à différents, ouais, on voilà. Passe de tablette à mobile et à desktop, ouais. C'est ça. Ouais, ça a un côté, voilà, ça là, ça. Ça, on dirait pas, mais ça a créé beaucoup de boulot pour les développeurs. Et encore, il y a une image que j'ai vue récemment que j'ai trouvé super. C'est les nouveaux foldable devices, vous savez, c'est ouais, les, avec en accordéon, etc. Et c'est un petit mème avec le pire cauchemar des développeurs et des designers, parce que ça fait tout un tas de nouvelles résolutions d'écran qui vont être toutes plus horribles les unes que les autres à gérer. Et voilà, bon, on y reviendra. C'est comme ça pourtant. Ouais, c'est ça. Mais bon, les foldable devices, ça va être un cauchemar, je le sens. Et donc pour l'UI UX, pareil, voilà, tout un tas de corps de métiers, et même au sein des métiers de la création graphique, du web design, de l'UI, de l'UX, finalement, il y a, bah en fait, il y a plein de métiers, il y a plein, encore une fois, de sous-branches de métiers qui doivent collaborer, qui doivent travailler ensemble. Et enfin, ce que je propose, c'est qu'on passe sur la troisième grande famille
Donc, le marketing digital, alors encore une fois, on va partir du cliché de base, qui est de dire que le marketing digital, bah, finalement, c'est du marketing tout à fait standard, hein, sauf qu'au lieu de faire des affiches Clear Channel ou JC Déco dans la ville, on fait des affiches publicitaires sur Internet et ça marche pareil. Et c'est évidemment pas vrai, mais je vais te laisser dire voilà, ce qu'aujourd'hui... Non, pas du tout, effectivement. C'est vrai que le marketing digital, c'est un autre corps de métier qui est ultra connecté avec les autres. En général, quand on lance un projet, ça commence souvent par ça, c'est-à-dire tout simplement déjà l'écoute du client, son besoin. Alors tout à l'heure, on a parlé de landing page, par exemple. Il faut savoir qu'il existe énormément de concepts de landing page par rapport à des objectifs. En fait, tout est rattaché à un objectif, ça part de là. Et en fonction de l'objectif, ce qui va se passer, c'est qu'on va accompagner nos clients dans du conseil sur leurs besoins. Donc typiquement, si un client souhaite faire venir des gens en magasin, donc utiliser le digital comme en fait un canal pour faire venir des gens sur la partie physique, souvent il peut avoir plusieurs possibilités comme des coupons qu'il peut télécharger en ligne et les consommer en physique, ou d'autres problématiques de type notoriété, où on va en fait toucher des personnes par exemple qui ne lisent plus des catalogues de produits et qui par contre pourraient regarder des catalogues digitaux. Parce que c'est leur façon de consommer aujourd'hui, de lire des informations. Et c'est une des seules façons de les récupérer, on va dire, pour les faire venir en magasin. Donc du coup, en fonction des objectifs qu'on écoute et de la part de nos clients, on va essayer de construire quelque chose qui a du sens d'un point de vue marketing. C'est-à-dire que notre travail, à ce moment-là, pour le consultant en question, ça va être vraiment de conseiller le client et d'essayer de raconter une histoire pour convaincre. Typiquement, je vais donner des exemples concrets. En fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on essaye d'utiliser des modèles de copywriting. C'est un des sujets dans le monde du marketing digital, entre autres. Et le copywriting, par exemple, c'est dans une landing page, utiliser le framework qui est très connu, qui est AIDA. Je ne sais pas si ça parle aux gens, mais on peut le dire. Donc, c'est attention, intérêt, désir, action. Et en fait, à chaque fois dans la landing page, l'idée, c'est dans les 5 premières secondes, il faut déclencher une attention. Et l'attention se passe par le visuel, donc avec les graphistes, ça passe par le copywriting, donc les premières phrases. Donc typiquement, on a coutume de dire que les 2 premières phrases en haut de la page sont les plus impactantes. Et ensuite, en fait, une fois qu'on a pris l'attention par le travail qu'on a fait sur les premières secondes et donc sections de la page, on va travailler sur l'intérêt. Donc l'intérêt, pourquoi notre offre, quel intérêt, effectivement, quels sont les bénéfices aussi de ce que ce qu'il y a sur la landing page, et on suscite ensuite le désir et puis l'action, les fameux call to action, etc., qui sont répartis sur toute la page. Donc c'est beaucoup de travail finalement dans ce que tu dis et qu'on entend. Oui. C'est beaucoup déjà de travail en amont, beaucoup d'études pour comprendre pourquoi finalement on va faire ça avant même de le concevoir, comme on a dit avec lui, de le réaliser. Du travail en aval aussi pour analyser, pour mesurer, pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour continuer et pour s'adapter en temps réel. Et aussi beaucoup finalement de fine-tuning, c'est plein de petites actions, c'est plein de petites opérations, c'est plein de petits, voilà, comme tu dis, quand on dit framework, c'est pas du tout comme un framework de développement, hein. C'est un framework de voilà, ouais. Encore une fois, hein, une façon de penser, c'est un canevas de travail, et de se dire à un moment, faut penser à ça, il faut penser à ça, il faut réfléchir comme ça, il faut utiliser tel outil. Ça, encore une fois, ça c'est fait, il y a plusieurs corps de métier dans le marketing digital, c'est des outils qui s'apprennent, qui s'utilisent, qui changent, il y en existe des dizaines différents, voilà, tu as cité ceux que toi tu utilises. C'est ça. Mais c'est vrai que le premier truc qu'on peut constater, c'est que c'est pas... Ça n'a rien à voir avec le marketing traditionnel. C'est beaucoup moins... Non pas que le marketing traditionnel soit beaucoup plus brut, beaucoup plus direct, mais là, on est vraiment dans le petit détail. Vraiment le tout petit détail du pourquoi on met ce bouton-là. Tout part du fait que plus de 90% du trafic est perdu dans les 10 premières secondes. En fait, c'est ce qui se dit. Entre 5 et 10 secondes, on perd 90% de son trafic pour la plupart des sites web. Bien sûr, les grands sites sont plus optimisés, donc forcément, voilà. Mais de ce constat-là, en fait, naît des nécessités dans le marketing d'aller chercher des solutions, des méthodes, des pratiques, notamment avec le copywriting, avec l'utilisation de graphismes, d'animations, qui, à l'inverse d'autres pratiques marketing plus standard, en fait, nous, dans le web, on utilise énormément ces problématiques-là parce que, en fait, c'est le cœur du besoin. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à attirer l'attention, puisque surtout sur Internet, l'attention des visiteurs est ultra, on va dire, limitée et très courte, parce que les gens switchent énormément, oui, ils changent, plus que dans la vraie vie. Voilà, c'est l'effet scroll des réseaux sociaux, c'est pareil, le contenu, exactement. On le consomme vite et on l'oublie vite. Exactement, et du coup, ça, le marketing digital, en fait, commence par
tout commence par là parce que c'est la première nécessité. Sinon, c'est très bien de faire un joli site, c'est très bien de faire un site qui est bien pensé d'un point de vue dev, mais s'il n'est pas visité parce qu'en fait, on n'a pas réussi à bien l'amener, raconter cette histoire de A à Z, en fait, tout ça ne sert à rien. Donc, on revient à ce que tu disais avec le webmaster. Ce que j'ai coutume de dire souvent, c'est qu'en fait, quand on crée un site maintenant, en fait, on a besoin de plusieurs corps de métier. C'est un peu comme quand on construit une maison. Et en fait, chacun a son expertise. On n'est plus comme à l'époque où un webmaster, par exemple, n'avait pas forcément besoin d'énormément de compétences pour faire un site parce que c'était au tout début. Là, la concurrence étant tellement rude qu'il y a besoin de se démarquer sur pas mal de sujets. Un beau site, un site qui fonctionne bien, qui est rapide, comme disait Laetitia avec le PageSpeed, et aussi un site qui parle aux gens d'un point de vue marketing. Et là, on s'adresse à la bonne cible, la bonne étude. Et finalement, ça va toujours plus loin parce qu'on va toujours chercher à comment, voilà, finalement, marketing digital, c'est un peu cette guerre d'aller en avant pour trouver la nouvelle méthode, le nouveau petit truc qu'on n'a pas encore fait et qui fait que finalement, on va retenir l'attention. Voilà, parce que l'attention, c'est comme tout. C'est pourquoi est-ce que quand un accident, on met le gilet réfléchissant, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude que tout le monde porte des trucs fluo. Si demain tout le monde porte un truc fluo, on trouverait autre chose. Là, c'est pareil, sauf que c'est une fuite en avant de toujours trouver le truc en plus qui va faire que... La surenchère, oui. Voilà, la surenchère, mais toujours fine. C'est pas de la grosse surenchère plus de pop-up. Je te rassure. Voilà, on est vraiment dans l'inattendu et en même temps l'attendu. Et on rejoint un peu ce qu'on disait aussi sur l'UX finalement. C'est le côté, ça doit être assez inattendu pour que le potentiel client qui arrive soit dans les 10% qui restent et pas dans les 90% qui partent. Et en même temps, ça doit être assez attendu pour pas qu'il arrive dans quelque chose de complètement concept, on sait pas trop, et qu'il se dise je m'y retrouve pas, je suis complètement paumé, surtout encore pire selon la cible. Et donc pareil, ça c'est encore une fois un métier. Même plus, c'est un corps de métier qui est représenté dans le web, auquel on ne pense pas forcément. On pense souvent dans la culture populaire aux développeurs, moins souvent aux créateurs, aux designers de sites web, ou indirectement, parce que souvent on le voit dans les films, il fait un drag and drop de son truc, il agrandit l'image, il fait hop, allez, c'est en ligne, merci, fin de journée, ce qui n'est absolument pas vrai. Voilà. Et on parle encore moins du marketing digital, qui pourtant est ultra présent et ultra, ultra demandé aujourd'hui comme métier. Oui, il est très demandé parce que la plupart des clients qui sollicitent des freelances ou des agences pour faire des sites web, en fait, typiquement, on le voit au quotidien, ils sont un peu plus alertes sur les problématiques esthétiques, mais autant sur la partie marketing, ils attendent un accompagnement. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité pour ceux qui travaillent dans... pour les graphistes, parce que ce sont eux qui commencent par la maquette. Donc en gros, ce sont les premiers à être sur la concrétisation de la page, mais aussi les intégrateurs, donc les développeurs, parce qu'ils doivent transcrire en réalité, on va dire, une expérience. Et ça passe par des problématiques d'animation, des problématiques de respect de certains codes et surtout comment on le transforme aussi en responsive, parce que cette expérience là il faut la penser souvent en responsive, et l'intégrateur en général a ce rôle, cette responsabilité de aussi s'assurer que l'expérience n'est pas dégradée sur un autre format que le principal, en général maintenant en mobile. Et du coup il y a vraiment ce côté connexe, en plus c'est super, ça fait une transition magnifique pour la suite. Il y a vraiment ce côté connexe de dire finalement le marketing va identifier un certain nombre de besoins. Ça va être transposé sur les maquettes, sur la conception du côté UX, qui va passer commande auprès des équipes de développement qui elles-mêmes vont devoir, en plus de développer, s'adapter à des contraintes techniques. On en reparle, mais des contraintes techniques qui font peut-être que la maquette ne peut pas être 100% réalisée, ou à l'inverse, que les demandes du client qui ont été identifiées par le marketing sont en fait incompatibles avec soit peut-être avec son budget, soit peut-être avec la technologie telle qu'elle existe aujourd'hui, et vont devoir s'adapter à d'autres contraintes. Je pense à ces contraintes-là, par exemple. Etc., et qui vont même faire des retours, et on va avoir, et c'est facile de s'imaginer finalement qu'on va se retrouver avec un espèce de sac de nœuds au niveau des échanges, parce que le marketing dit à l'UX, mais dit au développeur, le développeur va renvoyer à l'UX en disant mais ça c'est pas intégrable, qui va demander au marketing, mais du coup est-ce que ça pose un problème, oui, et du coup on risque d'avoir des flux et des échanges dans tous les sens. D'où la problématique de coordination, et voir peut-être un quatrième corps de métier dans ce milieu-là qui est la chefferie de projet. C'est qu'on n'avait pas forcément, qu'on peut pas identifier par défaut, mais c'est vrai que cette thématique-là est une thématique ultra importante, que ce soit pour un projet client ou comme pour une agence au global. Et je crois vraiment que même pour des freelances, c'est une nécessité de savoir collaborer avec d'autres freelances au sein d'un même projet ou d'autres agences. Tellement maintenant, c'est comme on l'a dit à l'instant avec plein d'exemples,
Un designer doit travailler avec l'intégrateur, tout comme il doit travailler aussi bien avec celui qui a pensé le marketing et donc l'enchaînement des sections une par une. Mais c'est vrai qu'on est, je suis relativement d'accord, d'ailleurs, enfin, ça se voit, ça, après c'est notre philosophie, dans les programmes Codino, typiquement, c'est vrai que nous, on a mis, que ce soit en UX, en marketing digital ou en développement, dans tous les cas, ils ont tous initiation à travail en équipe, à la gestion de projet agile, avec des méthodologies comme Scrum, etc., juste pour qu'ils puissent tous parler la même langue, finalement, de management, et qu'ils soient en freelance, qu'ils soient en entreprise, et ben, finalement, quand on leur dit, voilà, là, il y a un sprint, là, il y a quelque chose, et ben, finalement, le management, il sache à quoi ça fait référence, finalement, et qu'il puisse s'en sortir. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai qu'il y a d'autres corps de métier, il y en a un autre qui n'est pas représenté, mais promis, on en parlera d'un autre webinar, c'est tout ce qui est les DevOps, infra, tout ce qui s'occupe de l'hébergement, ingé cloud, etc. Pareil, tout ça, on n'en parle pas, mais c'est une grosse problématique, hein, non seulement l'hébergement, donc c'est-à-dire le fait que le site soit rendu accessible, il faut bien qu'il soit hébergé, qu'il fonctionne quelque part, mais au-delà de ça, il y a le côté aussi monté en charge, parce que bon, si le développeur que le design, web designer et que le responsable de marketing digital font bien leur travail, le site est censé avoir plein de trafic, donc plein de gens qui vont dessus. Et du coup, bah, il faut absorber cette montée en charge, c'est-à-dire d'un coup, il y a une grand pic de popularité, ça passe à la télé et on passe de 200 visiteurs jour à 2 millions de visiteurs jour. Et là, il y a quelque chose à faire. Et du voir coup, ça aussi, anticiper c'est un autre corps de métier. le Ouais. scaling qui est une nécessité pour certains projets clients. C'est ça, finalement, se dire, voilà, il va falloir s'adapter à tout ça. Bon, du coup, pour revenir sur nos trois grands corps de métier, je vous propose qu'on fasse transition vers la deuxième partie du sujet, c'est-à-dire ces trois grands corps de métier. Donc, on l'a dit, ils ont chacun leur spécificité, ils ont chacun un ensemble de compétences. Voilà, comme on le disait, il y a des compétences transverses comme tout ce qui est en rapport en travail d'équipe, etc., comme on a dans nos formations. Tout comme dans chaque corps de métier, il y a le côté de travailler. Voilà, alors Figma, bon, ça pour le coup, c'est pareil. Hein, chez nous, la formation UX, elle est sur Figma. Après, il y a d'autres outils. Hein, voilà, mais c'est vrai que Figma est plutôt à la mode en ce moment. Des compétences voilà, diverses. Comment placer un call to action, comment à un moment se dire, voilà, faire du référencement gratuit, référencement payant, Google Ads, etc. Des passages obligés, finalement, de chaque corps de métier dans leur spécialité. Mais une fois, même si on est expert ou le meilleur des experts dans son métier, en marketing digital, en UX ou encore en développement, quelle que soit sa spécialité, il y a un moment, on va devoir travailler avec les autres corps de métier. Et qui dit travailler avec les autres corps de métier, dit que il y a de la communication qui se fait et il y a un process qui est jamais le même d'un contexte d'entreprise à l'autre et qui en plus c'est pas toujours évident. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a un côté vraiment sac de nœuds entre qui donne des ordres à qui ou qui travaille pour qui. En fait, c'est pas clairement défini de base et c'est pas vraiment, on peut pas dire, il n'y a pas de règle ultime qui dit c'est le responsable marketing qui donne des ordres au développeur, qui va donner des ordres à l'UX ou inversement, c'est impossible parce que doit y avoir une espèce de mouvement global et de coopération globale. Et du coup, je vais me poser la question déjà, chez vous, comment ça se passe? Qui commande à qui? Quel est le process? Comment vous travaillez, vu que vous avez la chance et plutôt le bon sens en fait, d'avoir ces trois corps de métier qui sont représentés en interne chez vous finalement? Bah, nous, ça commence surtout par le marketing digital en fait. Donc on reçoit le brief client avec toutes les infos. Et c'est à partir de là en fait qu'on va déclencher le projet. C'est qu'une fois que le brief est complet, ce qui peut prendre beaucoup de temps d'ailleurs, parce que ça demande beaucoup d'aller-retour avec le client, souvent on n'a pas toutes les infos et eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc il y a une grosse démarche en fait de guider le client. Et tout démarre de là en fait. On a une deadline qui est mise en place et ensuite, en fonction de ça, on sépare le projet en deux grandes parties. Trois grandes parties même, mais surtout la partie graphique design et la partie intégration. Et à la fin, donc il y a toute la partie aussi hébergement, mise en prod, etc. Donc, qui est plus faite par notre full stack DevOps. Mais ça commence en fait par donc ce marketing digital. Ensuite, ça passe au design. Et là, en fait, il faut savoir que ça demande une expertise parce qu'en fait, le graphisme au niveau du web est complètement différent de ce que la plupart des graphistes font en print. Donc déjà, c'est une compétence qui est comment dire, qui est adaptée en fait au support qu'on va utiliser. Donc on commence toujours par, comme je disais tout à l'heure, le wireframe, puis on va ajouter la couche maquette avec tous les visuels. Et en fait, nous les graphistes, on va mettre toutes les infos en fait dans un document qui répertorie les typos, les tailles, les références couleurs, les animations à mettre. Ok.
Et en fait, donc ça, tout c'est au ça, fil de votre travail, ouais, en fait, c'est-à-dire petit à petit vous parce tuto, que. donc ça commence par le marketing, pour résumer, ça commence par le marketing C'est qui va ça. faire les rendez-vous clients et le brief et mettre en place le début de la stratégie. Ça passe par le web design qui va construire et en parallèle, vous mettez tous ces éléments de charte du coup sur C'est un ça. document à part. Et du coup. En fait, ça se fait petit à petit parce que au niveau du design, bah, il y a tout ce processus où on va essayer de s'inspirer, on va essayer de trouver vraiment un style qui correspond au client. Et en fait, une fois qu'on aura fait toute la page et qu'on aura mis en place les règles d'espace, de typographie, on va tout rassembler pour que ce soit plus simple à l'intégrateur. Et en fait, au moins, il a toutes les infos et il peut faire ça directement en fait, dès qu'il commence. Surtout que sur WordPress, on a la possibilité de définir les H1, les H2, etc. au niveau des styles. Donc, au moins, il aura tout ce qu'il faut pour travailler. Mais ça n'empêche pas qu'il arrive qu'il y ait des petits soucis au niveau des images, notamment des exports d'images, qui ne sont pas au même format parce que c'est jamais exactement au pixel près quand on fait une maquette et quand on l'intègre. Il Ça, y a des c'est. contraintes, on va en reparler, mais ouais, c'est vrai Ouais. qu'il y a toujours des contraintes. Il y a Il y a des toujours contraintes. des. Puis même, nous, on a beaucoup de sites en desktop. On va passer en mobile first, je pense, dans pas longtemps. Mais il y a aussi un. Idem mobile first, hein, pour ceux qui ne l'ont pas, évidemment, celles et ceux, c'est un terme qui veut dire un site qui est conçu Pour le en téléphone, ouais. priorité pour le téléphone, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, j'ai plus la stat en tête, mais je crois qu'on est à plus de la moitié du C'est trafic. énorme, ouais. Ouais, plus de la moitié du. Sur les derniers sites, c'est ça. Sur les Voilà. derniers, ce qu'on a fait, c'était 80%. Ouais. Voilà, selon la typologie de profil, je suppose aussi les jeunes, les plus jeunes, voilà, je regarde la génération qui aujourd'hui doit avoir entre 15 et 20 ans, pas le réflexe d'aller sur l'ordi pour aller voir un site et va la consulter plus smartphone. Donc c'est vrai que le site Mobile First, ça veut dire un site voilà, qui est conçu pour le mobile en premier plutôt que de le concevoir pour l'ordinateur en premier. Je C'est te laisse ça. reprendre dans 30 secondes. Je me viens juste de me rendre compte, on me fait signe qu'effectivement le chat n'est pas actif sous le live. Malheureusement, on ne pourra pas l'activer en cours de live. YouTube ne nous laisse pas faire. Ce que je vais vous proposer plutôt, c'est si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer directement à contact@lebocal.academy avec un Y. Je vais laisser Arthur en régie voir s'il peut vous l'afficher en dessous à l'écran. Donc c'est pas contact d'ailleurs, c'est hello, excusez-moi. Oui, c'est vrai, c'est hello@lebocal.academy. J'ai dit contact. C'est hello@lebocal.academy. Ça s'affichera si possible en bas là, je sais pas, par ici peut-être, sur l'écran. Et envoyez-nous vos questions par email et on les traitera au fur et à mesure vu qu'il n'y a pas de chat malheureusement. Voilà, du coup on va reprendre là où on en était. Et on en était au moment où il y avait donc la création des maquettes et de la charte. C'est ça. Donc, une fois qu'on a fait la maquette, donc au moment de faire les transferts d'infos à l'intégrateur, voilà, en effet, il arrive qu'il y ait des petits soucis au niveau de la communication parce que, c'est, comme on dit, c'est deux métiers complètement différents et parfois on n'arrive pas à se comprendre. Mais on essaie de faire en sorte que les infos passent au mieux. Donc, il arrive qu'il y ait souvent des allers-retours en fait. Mais en général, le site reste quand même très fidèle à la maquette. Mais n'empêche que on peut toujours revenir en arrière et le graphiste peut revoir une section, par exemple, si c'est impossible à intégrer et que le graphiste a fait une folie. Bah, en effet, on peut se permettre de la redesigner pour que ce soit intégrable. Et du coup, déjà, c'est vrai qu'il y a un effet aller-retour, déjà, en fait, qui est à noter. C'est-à-dire, la maquette, elle va aller à l'équipe de développement, donc à l'intégration, pour qu'ils disent, finalement, ça, c'est pas intégrable, ça, c'est intégrable. Donc là, on voit déjà que on avait commencé, finalement, en partant, on va dire, du marketing, web design, donc UX, on est descendu au développement, et là, déjà, on a déjà la possibilité de faire, si on essaie de le dessiner comme ça, d'avoir des navettes qui se font entre l'équipe de développement finalement qui va dire ça c'est intégrable, ça c'est pas intégrable, et qui ça va remonter au web design, qui va dire ouais mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que ça soit un peu intégrable quand même? Et du coup on a cet effet navette qui est fait entre les deux C'est ça. finalement. C'est ça, Ça mais peut durer longtemps d'ailleurs cette phase de navette entre l'équipe de web design et l'équipe de développement? ça dépend. Alors en général, ça fait peut-être un ou deux allers-retours. Je pense qu'on n'en fait pas plus que ça. En fait, ça arrive, Donc la ouais, phase de on a recette, optimisé on au va dire maximum. interne, elle n'est pas si longue que ça finalement. Non, en fait, c'est surtout quand on a des nouveaux projets et qu'on veut tester de nouvelles choses. Par exemple, on a fait une landing page dernièrement avec un système d'animation donc pour la machine à leads où on fallait animer une image avec des rouages, etc. Et en fait, pour essayer de trouver le bon format qui correspondait, on a dû faire beaucoup d'allers-retours en fait.
entre le design et le dev. C'est un peu plus expérimental, quoi. C'est un peu moins la. Si tant est qu'on puisse dire que c'est la routine, ce qui est dans le métier déjà. Oui, en fait, quand c'est la routine, c'est ça. Ouais, voilà. Ça déroule tout seul. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'allers-retours. Mais du moment où on essaie de nouvelles choses, forcément, on teste et des fois ça rate, des fois ça marche. Mais le but c'est quand même que tout se fasse le plus fluidement possible et sans embûche, quoi. Et du coup. Là, le site il est terminé, la phase de recette on va dire interne, donc de retour aller-retour entre le web design et l'équipe développement est terminée, la landing page, le site, le produit est prêt. Qu'est-ce qui se passe après? Je veux dire, il est mis en ligne et c'est fini, ou il va y avoir d'autres interventions, notamment de la partie marketing? En fait, peut-être une fois qu'on a fini le site, on le livre au client et on. En fait, juste avant de faire ça, bien sûr, on l'a hébergé, donc on n'a pas trop parlé de cette partie-là, qui est quand même une partie assez stratégique. Mais admettons, on l'a hébergé, on a paramétré tout ça. Il y a, nous, souvent, enfin, en tout cas, par défaut, maintenant, on inclut les problématiques de tracking, notamment avec Google Tag Manager et Google Analytics. Et de cette partie-là, en fait, une fois que c'est lancé le site, on fait une analyse de comment le site, comment les personnes se comportent sur le site. Justement par rapport à la fameuse expérience, mais aussi par rapport aux objectifs, c'est-à-dire les fameux boutons. En fait, on traque tous les boutons, tous les scrolls et bien sûr les volumes qui sont rattachés à ça. Et enfin, l'engagement, le fameux engagement qui est traqué par Google Analytics, qui est en fait une des valeurs les plus importantes, en tout cas selon Google, pour considérer que le site fonctionne ou pas. Et en fonction de ça, en fait, si le projet le nécessite, on lance du A/B testing. Et on est capable de faire des modifications sur le texte, les visuels ou par exemple les call to action. Également les sections, comment elles s'enchaînent les unes par rapport au déroulé finalement. C'est ça, la fameuse aventure ou histoire qu'on raconte. Et ça nous permet en fait, par petites touches de modification en mode agile, de pouvoir voir si ces théories qu'on avait d'un point de vue marketing se concrétisent d'un point de vue conversion. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe après le site pour les clients qui ont ce besoin-là. Et ce qui est super intéressant, ce que tu as dit du coup, c'est que, en fait, du coup, il y a le côté vraiment, la phase en amont, où le marketing va être tout au début, va briefer, mais va pas forcément dire telle section doit être dans tel ordre, tel ordre, tel ordre. Elle va juste dire le besoin est comme ça, on va devoir stratégiquement faire comme ça. On va avoir ce côté, donc les fameux échanges web design, développement dont on a parlé. Et là, on a le web marketing qui revient en aval et qui va dire, ok, maintenant on a un produit qui nous paraît satisfaisant. On va mesurer, on va avec tous les indicateurs dont tu as parlé. Donc ça, c'est des choses, encore une fois, qu'on apprend en web marketing, hein, tout ça. Donc si ça vous fait peur, hein, pour ceux qui sont moins initiés, qui l'ont regardé, tout ce qui est taux d'engagement, tout ce qui est, voilà, finalement, jusqu'où on a scrollé, l'enchaînement, tous les éléments qu'on peut avoir lorsqu'on fait de l'analytique. Et ben, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses qui se mesurent, c'est des choses qui se réapprennent aussi. Hein, parce que mine de rien, peut-être certains d'entre vous qui sont déjà du métier, taux d'engagement, voilà, peut-être que vous avez encore l'habitude de l'ancienne métrique qui s'appelle le taux de rebond. Oui, exactement. Voilà, le taux de rebond, le taux d'engagement qui étant l'exact opposé, en fait. Avec l'arrivée du nouveau Google Analytics. Avec le, voilà, je vois Arthur, qui est notre grand fan d'analytique derrière, qui est comme ça, ouais, le taux d'engagement, plus de taux de rebond. Et du coup, voilà, ça évolue, c'est des pratiques qui évoluent, parce qu'on a des manières de mesurer, comme le développement, comme on le disait, le développement, il faut se tenir à jour des technos, le web design, il faut se tenir à jour des tendances, le marketing, il faut se tenir à jour aussi des nouveaux outils et des nouvelles manières de mesurer. Ouais. Voilà. Et effectivement, comme disait Laetitia, aussi le SEO, donc tout ce qui est référencement naturel. Alors nous, de notre côté, sur la partie landing page, quand on fait vraiment ce qui est une de nos grandes spécificités, le SEO est moins important, tout simplement parce que en fait, c'est rattaché à de la publicité, encore une fois. C'est rare de vraiment avoir cette importance sur le SEO pour des landing pages. En revanche, pour tout ce qui est site internet, donc e-commerce ou site vitrine, là, le SEO est d'une grande importance. Et ça peut être un investissement aussi important, tant d'un point de vue temps que financier, que le SIA ou autre type de... Et donc du coup, dans le cas où finalement, vous allez être sur des sites où le SEO, donc le Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche, hein, donc c'est tout un ensemble de pratiques, mais c'est des pratiques qui peuvent être mises en place en partie par la partie marketing, qui peuvent être décidées, une stratégie qui peut être décidée à être mise en place par la partie marketing, mais ça va demander beaucoup de travail, notamment à la technique, au développement, mais aussi à d'autres corps dont on n'a pas évoqué de métier, notamment la rédaction web. C'est vrai que ça, c'est un autre corps de métier, pareil, dont on ne parle pas, qui est ni dans le développement, ni dans l'UX. C'est ceux qui vont s'occuper de rédiger le contenu pour qu'il y ait à mi-chemin
entre le côté technique, donc c'est-à-dire faire en sorte que le site soit bien référençable techniquement, en termes de bon placement des mots, etc., que du marketing, parce que le texte doit quand même être aguichant hein, pour le consommateur, pour le visiteur. Et pareil, voilà, du coup, on a cette problématique-là. Mais pour tout ce qui est référencement, par exemple, du coup, ça veut dire que le marketing peut directement, dans le digital, avoir directement des relations avec les équipes de développement pour remettre en place, c'est-à-dire pour dire finalement les deux sections, il faut les inverser. Finalement, l'analytique dit que le bouton est mal placé, on le déplace. L'analytique dit que bah, il va falloir changer de stratégie, donc implémenter ça comme ça. Ça oui, peut arriver ? Oui, souvent, parce que on trouve que, sauf quand il faut, on estime qu'il faut faire une refonte complète de la page dans une logique A/B testing, mais par définition, l'A/B testing nécessite des petites modifications. Et donc, de ce fait-là, on estime, en tout cas nous, notre façon de faire dans l'agence, de ne pas passer par la partie maquette et donc forcément graphiste, sauf si l'A/B testing nécessite de revoir un visuel. Donc là, pour le coup, les graphistes sont de nouveau sollicités parce qu'il faut retravailler la partie visuelle. Mais en soi, sinon, en fait, on est le marketing avec les intégrateurs en direct. C'est un des seuls moments, en fait, au final, où on squeeze la partie graphique qui, normalement, met en forme ce que les marketeurs et donc les théoriques souhaitent. Et là, pour le coup, on fait des petites modifications où vraiment on vient juste modifier en dur directement sur le serveur de prod ou de dev les modifications souhaitées comme le texte, les emplacements de boutons et les sections. Donc, Ouais. Mais ouais, du coup on remonte un peu en haut de la pyramide et on redescend soit en direct sur le dev, soit en passant par l'UX et ça cycle. C'est en fait. Ça, agile. C'est pour. Voilà, on pourrait faire un joli gif pour ça, effectivement, très agile. Très agile. Et pour revenir à ta première question, en fait, quand tu as initié le sujet, en fait. D'ailleurs, Fabrice, j'en profite. Fabrice, j'ai noté ta question, on y vient tout de suite, je viens de la recevoir. Pour revenir à ce que tu disais, en fait, qui est-ce qui a le dessus, ou en tout cas, qui est-ce qui peut donner des contraintes, en fait, ça dépend à chaque étape du projet, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui nécessite aussi des bons outils et la bonne méthode de coordination. Mais par exemple, le marketing digital. C'est par là où on commence. Le lead est tournant en fait, en fonction de qui a la main sur le projet à l'instant T. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on a le marketeur, en fait, il a le lead sur le client parce qu'il co-construit et il conseille le client pour avoir les éléments. Il collecte les éléments et il le restitue au graphiste. Ensuite, c'est le graphiste qui a le lead et qui peut presque, on va dire, remonter des points et influencer le marketing. De par des propositions de visuels qui peuvent être vraiment intéressantes et nécessitent peut-être même des allers-retours parce que ça peut nécessiter des modifications dans la façon de penser de l'expérience. Et enfin, l'intégrateur, il peut challenger souvent, en général, le graphiste parce qu'il y a des problématiques responsives, parce que potentiellement, il y a des problématiques sur les images qui vont alourdir certains points, etc. Et enfin, le marketing reprend les commandes à la fin du projet où il va regarder le projet de plus loin par rapport aux statistiques qui en fait c'est qui est la résultante de tout et potentiellement rechallenge les graphistes et les intégrateurs pour faire que la performance soit meilleure. Donc vraiment c'est tout le monde on va dire a un ça rôle tourne. Ultra important et leader à un moment du projet. Ouais, et ça va vraiment dépendre voilà d'où vient la contrainte, de quand elle vient, etc. C'est ça. Ok. Du coup, enchaînons sur la question de Fabrice. Alors Fabrice, tu nous dis « Bonjour, quel métier s'occupe de la partie analyse des comportements Google Analytics SLUX ?» Donc grosso modo, effectivement, la question c'est voilà, avec Google Analytics et avec d'autres outils entre autres, il y a de l'analyse qui peut être faite, du coup Fabrice, effectivement, là tu as raison, sur comment l'utilisateur va interagir avec le site, qu'est-ce qu'il va faire concrètement, comment il va se comporter face au site. Du coup, est-ce que c'est l'UX qui a agi, est-ce que c'est le marketing, est-ce que c'est les deux? Chez vous, ça se passe comment? Moi, je pense que ce serait quand même les deux, mais tout ce qui est analyse, en général, c'est un peu plus marketing, même si l'UX, en fait, derrière, apporte des solutions par rapport à ce qui est analysé et audité. Mais en soi, il existe énormément d'outils. Alors, on a parlé de Google Analytics, mais après, il y a d'autres outils alors, qui sont des problématiques de CRO, donc Conversion Rate Optimization, et un des plus connus, par exemple comme Hotjar, permet en fait de voir des heatmaps ou des points chauds pour voir un petit peu comment les gens en fait placent leur curseur sur la page, comment ils s'attardent
sur certaines parties du site. Et ce genre d'outil permet même d'enregistrer, en fait, on va dire, des vidéos du comportement de la personne. Donc on voit vraiment. Alors quand on dit vidéo, on voit pas votre caméra pour de vrai. On voit juste votre sourire. On ne voit pas effectivement en maillot de bain devant votre écran. Vous inquiétez pas. En fait, on voit juste la souris sur notre propre site et voir comment la personne, en fait, elle scroll, elle a peut-être envie de cliquer. Mais ça, c'est plutôt le boulot du marketing d'analyser et de faire de dire, gros, voilà. Des suppositions de mettre en place les outils analytiques, déjà, parce que les outils analytiques ne sont pas en place d'un claquement de doigts. Il faudrait comment ça se passe aussi, parce que une bonne question. En fait, il y a la mise en place avant. C'est pas du tout le marketeur qui va faire la mise en place, et tu as raison. Nous, en l'occurrence, c'est mon associé CTO, qui est notre full stack développeur, qui s'occupe de à la fois de la partie hébergement, mais aussi à la fin du projet, qui s'occupe de mettre en place tout ce qui est balises et les problèmes. En fait, les outils analytiques, les outils analytiques vont être mis en place sur demande du marketing par les équipes c'est de développement, ça. Qui vont ensuite s'occuper, donc chez vous, mais dans la plupart des cas, Fabrice, pour répondre à ta question, d'utiliser ces outils pour en tirer des conclusions, des relevés, des rapports. Et ensuite, ces rapports, je suppose, chez vous comme ailleurs, ils sont transmis à l'équipe. Voilà. Et donc, c'est Laetitia qui reçoit tout ça en disant là, ça marche bien, là, ça marche pas en termes du UX. Et du coup, ça challenge un peu. Nous, on trouve les problèmes et le but, c'est que les autres. Vous synthétisez les problèmes. Des solutions. Et du coup, l'UX, Laetitia, quand tu reçois typiquement un rapport, un relevé, comme dans le cas de la question de Fabrice, qui dit voilà, alors on a analysé un peu la heatmap, c'est-à-dire là où le curseur a été placé, analysé tout ça. Là, on suppose, vu toutes les analyses qu'on a fait, qu'il y a un problème d'UX. Les utilisateurs ne trouvent pas le bouton, les utilisateurs ne vont pas jusque là où ils devraient aller, ou au contraire ils vont à l'endroit qui est le moins intéressant du site, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, comment tu fais ensuite quand tu reçois ce genre d'analyse ? C'est différent en fait, c'est pas forcément évident, parce que ça peut être le fait que, comme on a dit, l'utilisateur ne trouve pas ses repères, donc il va essayer de trouver des CTA qui ne sont pas forcément placés au même endroit, ou sinon ça peut être par exemple des couleurs qui sont mal choisies, où l'œil va être attiré par quelque chose alors qu'en fait c'est pas là que ça devait aller, même si on essaie d'y penser à l'avance, mais suivant des chartes graphiques, des fois on oublie de s'adapter, et c'est vrai qu'on s'attend pas à ce que l'utilisateur agisse de cette manière. Du coup, on va réadapter, on va faire du A/B testing pour challenger en fait nos maquettes et voir au final ce qui correspond le mieux. Voilà, ce qui va coller, et en gros vous allez tester, réessayer, puis refaire développer, et ça repart à l'analyse. C'est et ça. Ainsi de suite, et ça boucle et ça boucle. On a de la chance d'avoir des clients récurrents où on fait des variantes de landing page ou de site, et en fait on peut voir en fonction des évolutions qu'est-ce qui marche ou pas. Et donc un site web, c'est vivant finalement quand on y réfléchit. C'est pas un développement one shot, encore plus pour un site web qui a un objectif précis comme une landing page. Ça va être vivant, c'est-à-dire que ça doit bouger, ça peut pas rester 20 ans le même en fait. C'est ça, et puis tout va tellement vite. Que ce soit au niveau visuel ou même au niveau des fonctionnalités, la demande évolue constamment, donc on est tout le temps obligé de s'adapter en fait. Et pour ajouter, en fait, sur notre site, on a un bon graphique qui explique cette même philosophie, c'est qu'en fait, ce qui se passe souvent dans le marché français, en tout cas, nous, on sait... N'hésitez pas à polarize.io, allez faire un tour. Merci pour la publicité. En fait, nous, ce qu'on essaye d'expliquer à la plupart des clients qui sont habitués avec des pratiques plus traditionnelles de faire le site web, ils investissent énormément d'argent, énormément de temps et d'implication avec leur agence qui les accompagne, et puis ils laissent mourir leur site pendant 2 ans, 3 ans, et là vient le sujet de la fameuse refonte. Et nous, ce qu'on essaye d'expliquer aux clients, c'est que l'idée, c'est au lieu d'avoir une marche en 2 escaliers, ou l'effort de chaque escalier... Le site, il est bien, il devient vieux, mais on laisse traîner, et bien mince, il est trop vieux. Du coup, on fait une nouvelle version. En fait, et à la refonte, on va reprogresser, et on va faire un plateau. À la place de faire ça, en fait, on préconise des marges d'escalier qui sont plus petites, mais en fait, c'est beaucoup plus exponentiel, puisque en fait, les petites marches d'escalier vont faire une croissance beaucoup plus exponentielle, alors que juste un plateau, une croissance, un plateau va faire qu'en fait on va progresser beaucoup plus lentement. Et pour autant, c'est pas ça qui va changer tant le prix que ça, parce que en fait, quand on fait une refonte après 2 ans ou 3 ans, probablement beaucoup, en fait, on beaucoup part de boulot, quasiment zéro. Quoi. Ah oui, les interlocuteurs sont peut-être pas les mêmes. Les objectifs produits, ont peut-être changé aussi. Hein. Ouais, l'entreprise a changé, en fait, a peut-être pivoté ou autre. Et en fait, on repart de zéro par rapport aux ambitions du site web qui ne sont plus les mêmes. Alors que si on fait une évolution, on va dire, progressive, c'est presque que gagnant, parce que vraiment, ce n'est pas forcément plus cher, et ça se fait petit à petit, et on est constamment en fait, à l'ordre du jour.
Ouais, et c'est vrai que ce côté, ce que tu mets en avant, c'est quelque chose qui nous paraît évident, mais qui finalement n'est pas évident pour tout le monde de se dire que voilà, un site web, ils disent, c'est un peu comme un achat, c'est un peu qui s'amortit, le fameux amortissement, c'est-à-dire voilà, pour une société, j'ai acheté 4 voitures, et du coup, je vais attendre d'avoir atteint mon amortissement sur mes 4 voitures, et après, ben, je les revends. Où je les bazarde et j'en achète 4 nouvelles. Alors qu'un site web, si on le pense comme ça, bah le problème c'est que contrairement à la voiture qui va peut-être durer 10 ans, et ben le site web, si on l'améliore pas en 10 ans, il va avoir de sacrés En problèmes, fait, quoi. selon nous, c'est parce que la plupart des clients, encore aujourd'hui, bon, plus en France que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, qui sont des fois plus en avance que nous sur le digital, c'est qu'ils estiment que le site pour eux n'est pas forcément le reflet de leur business, et ça, c'est une grosse erreur, en tout cas en 2022. Donc, l'idée qu'on veut pousser pour nous, c'est que le site doit vivre avec le business, avec l'entreprise qui ne cesse d'évoluer. C'est comme si on disait qu'on allait lancer une offre, et puis une fois qu'elle est lancée, tout le monde est content, ben on se dit ah, dans 2 ans. Et en fait, ça n'a pas du tout de sens, et on voit malheureusement trop de clients qui ont cette façon de penser. Donc, l'idée, c'est vraiment, et la chance qu'on peut pousser, en fait, c'est que les landing pages sont une des réponses à ça, parce que le ticket d'entrée, il est plus bas, parce qu'elle est naturellement plus agile, et elle répond à des push, on va dire, à des demandes qui sont suite à des offres qui se lancent. Et du coup, on arrive à accompagner la croissance par rapport à un tempo qui est qu'un site web. Souvent, en fait, il y a une grosse émulation parce que le client a décidé, ça y est, de se lancer. Et puis, ça redescend. Et il a plus, on va dire, s'il est accompagné légèrement par Mal, son ouais. agence, en fait, ça va descendre jusqu'à ce qu'il se dise un beau jour, ah ben ça craint, il faut vraiment que je m'y repenche. Ouais, Et puis, d'accord. on est toujours dans un Ouais, cycle pas ça infernal. en dents de scie comme ça C'est ça, finalement. exactement. Et du coup, ce que tu dis, ça rejoint un truc que je voulais dire juste maintenant, c'est que du coup, les métiers du web, soit de ces trois catégories ou les autres, déjà on voit qu'ils se démultiplient parce que chacun a sa spécialité. Voilà, comme il y a peut-être 300 ans, le médecin, il faisait un peu tout. Maintenant, il y a plein de spécialités différentes. Là, c'est un peu pareil. Et que c'est pas un métier, on ne peut pas dire là, ben là, il y a un gros pic parce que tout le monde veut son site internet, comme on pourrait entendre de temps en temps, son appli, son machin. Et une fois que tout le monde l'aura, ben, il y aura trop de développeurs. Ben, dans une logique pérenne, trop de développeurs, trop de designers, web designers, trop de designers d'interface, trop de responsables marketing ou d'analystes. Mais finalement, en fait, si c'est bien fait, il n'y a pas trop de travail. C'est pas parce que, au contraire, on se dit, mais pourquoi ça se fait qu'il y a toujours une pénurie alors que finalement tout le monde a un site web? Eh ben, il y a toujours une sorte de pénurie parce que finalement, les entreprises existantes, même si ça recrute, etc., même si ça se crée, ont développé les produits aujourd'hui qui existent, mais beaucoup encore ne font pas de maintenance ou pas assez de maintenance et ils se rendent compte seulement maintenant. En plus, avec la démultiplication des métiers et des besoins, qui a besoin d'investir plus, qui a besoin d'investir plus longtemps et plus régulièrement. Et donc, ces métiers continuent à être en tension, je pense en tout cas, je ne sais pas ce que vous vous en dites, parce qu'il y a cette prise de conscience progressive que le web, ce n'était pas juste une mode où j'ai fait mon site web il y a 10 ans et on se revoit dans 10 ans. C'est vraiment un travail constant et un besoin constant pour tout un tas de métiers. Du coup, une autre petite question. Alors, encore une fois, n'hésitez pas, hein, hello@lebocal.academy. Vous pouvez nous envoyer, comme Fabrice, vos questions. On y répond avec grand plaisir. On va rentrer en phase de questions. D'ailleurs, j'en ai une autre pour vous, pour toi, Laetitia, plutôt, dans ta pratique de ton métier au quotidien. Donc, pour rappel, du coup, dans ton poste avec l'intitulé superbe de Creative Digital Manager, si je ne me trompe pas, voilà, où tu es à mi-chemin entre le web design et le développement, tu chapeautes un peu tout ça. Je voudrais savoir, donc tu es graphiste de formation, C'est ça. tu as fait une formation donc au Bocal à Nice, ici, il y a un moment en développement web, et du coup je veux savoir aujourd'hui tes deux spécialités. Ce que tu as appris au Bocal, ce que tu savais déjà du graphisme et ce que tu as appris au Bocal en développement web, comment tu l'utilises aujourd'hui dans ton métier? Est-ce que ça t'a été utile finalement? En quoi est-ce que ces deux savoir-faire te sont utiles? Est-ce qu'ils te sont utiles? Est-ce que tu aurais pu faire que avec du graphisme par exemple? Ou est-ce que le fait de t'être penché dans le développement, même si tu ne devs pas tous les jours, finalement Alors, t'aide? c'est vrai que, donc, venant d'une formation de design, moi j'ai toujours été intéressée par le digital parce que le print, j'adore ça, mais c'est vrai que, enfin, c'est pas que ça se perd, mais je pense qu'on est, enfin, tout va de plus en plus vers le digital, du coup, j'ai voulu me tourner vers ça et j'ai essayé d'apprendre HTML, CSS toute seule, c'était une galère, alors que pourtant, c'est assez basique, mais c'est vrai que. En se lançant toute seule dans un domaine que je connaissais pas du tout,
Je me suis dit, ce serait bien que je sois accompagnée. Donc, du coup, j'ai fait la formation bocale. Et c'est clair que ça me sert au quotidien parce qu'en fait, c'est bien beau de faire une maquette qui est géniale, mais quand on n'a aucune idée en fait de comment ça va s'intégrer et comment développer en fait pour que ce soit fonctionnel, on est un peu perdu en fait parce que c'est tellement différent en fait. Par exemple, au niveau d'une mise en page, moi j'ai appris à la base de faire des mises en page pour par exemple des magazines ou du print quoi. Et en passant sur du web, en fait, la lisibilité est complètement différente. La façon, le fait de scroller, les hot points qu'on voit quand on bouge la souris, etc. Et en fait, le côté dev, ça m'a appris tout ça. Et aussi, ça me permet d'échanger avec les développeurs, ce qui est très important. C'est Parler que. avec un développeur qu'on n'a pas le jargon Ouais. technique, c'est rigolo, quoi. Ah oui, c'est un monde à part, le dev. Et ça me permet, en fait, de comprendre tout le processus de A à Z et pas uniquement, en fait, le design. C'est que même en master, j'ai fait du marketing digital. Donc en fait, j'arrive à comprendre le projet du début à la fin. Et je peux intervenir à chaque fois s'il y a un petit souci. Et en fait, essayer de caler les problèmes en fonction du besoin. Peu importe le domaine, mais c'est ça en fait. Vraiment faire l'intermédiaire entre les différents corps de métier. Ok. Et du coup, c'est vraiment important, tu penses aujourd'hui, à certains postes clés comme ça, comme toi. Est-ce que c'est important d'avoir un peu cette double casquette, à défaut de pratiquer forcément les deux métiers, mais d'avoir cette double casquette, c'est-à-dire d'être par exemple dans l'UX et dans le dev, ou d'être dans le dev et dans le marketing digital, ou etc. Ah Ou oui, c'est un qu'est-ce que avantage tu en énorme, dis? ouais. Ah oui, c'est clairement, c'est un avantage énorme et je pense que ça aide l'équipe à fonctionner parce qu'on voit, par exemple, entre le design et le graphisme, entre le design et le dev, qu'il y a souvent enfin, par exemple, le graphiste ne va pas comprendre pourquoi son image ou sa maquette n'est pas intégrable. Et en fait, moi, je vais pouvoir lui expliquer. Et inversement, pareil, le dev va demander des choses qui ne sont pas forcément possibles ou pas forcément UX parce que ça apparente bien. Et puis, ouais, c'est vraiment ce côté où j'essaye de faciliter enfin, la communication entre chaque personne. Ok, et du coup même de manière un peu plus globale, et je pose la question à tous les deux, est-ce que vous pensez aujourd'hui, on va prendre un cas type, est-ce qu'un développeur doit forcément à un moment s'être intéressé à l'UX un petit peu, au marketing digital, ou est-ce que un marketeur doit s'être intéressé au dev ou à l'UX? En gros, est-ce qu'aujourd'hui on arrive à un point où on peut plus... Bon, il y a eu cet éclatement, comme on a dit, de des spécialités. Donc, il y a eu du webmaster, on est parti sur plein de corps de métier. Mais finalement, est-ce que ces corps de métier ne sont pas tellement éloignés que maintenant, il y a une nécessité auquel on ne pense pas encore forcément, sans parler d'être à nouveau le mouton à cinq pattes qui fait tout, de s'intéresser, de sortir un peu de sa zone de confort et de spécialité, et de s'intéresser à ce qui gravite autour. Autant pour, voilà, comme je dis, pour le marketeur, d'aller un peu voir ce qui se passe en dev ou en UX ou inversement. Par rapport à notre expérience, je parle juste pour notre expérience en tant qu'agence digitale, moi je dirais que oui, c'est nécessaire en fait d'avoir au moins un vernis, c'est-à-dire une compréhension du métier de chacun au travers de tout ça pour faciliter la coordination et avoir l'esprit ouvert par rapport aux autres métiers en face qui essayent de collaborer sur le projet. Ce qui permet en fait de faire parfois des compromis. Typiquement, voilà, Laetitia, elle manage l'équipe de prod parce qu'elle a cette capacité à avoir ce vernis et parfois des grandes expertises sur certains points, on va dire, de ce parcours de création. Et c'est une nécessité en fait de pouvoir trancher. Et pour trancher, en fait, faut connaître les deux côtés pour aboutir en fait et trouver les meilleures solutions. Donc oui, c'est nécessaire. Après, c'est pas nécessaire d'avoir une maîtrise parfaite. Je Non, pense puis de qu'il toute faut façon, juste c'est pas être. possible, on peut pas faire tout. Oui, tout à C'est fait. Bah, impossible de tout en tout savoir cas, oui, faire. c'est clairement notre communication. C'est que maintenant, c'est devenu tellement complexe et c'est une nécessité d'être expert dans chacun des sujets pour faire en sorte qu'on est compétitif, on va dire, dans nos livrables. Que oui, chacun a son expertise. Néanmoins, chacun doit comprendre les autres. Sinon, il y a un risque, effectivement, que ça tire vers le bas la réalisation globale. Parce que clairement, une équipe ne comprend pas l'autre et on n'aboutit pas. D'où l'importance des managers sur les chefs de projet, d'où l'importance aussi des outils qui permettent de coordonner, voilà, tout ça.
Ok, donc voilà, l'idée vraiment, pas forcément de voilà, on ne veut pas avoir à nouveau celui qui fait tout ou celle qui fait tout, mais au moins un minimum avoir des connaissances un petit peu de chaque domaine connexe, quoi, histoire de quand un jour, voilà, en tant que développeur, il y a le designer qui dit mais désolé, mais ça là, ce que tu as fait là, je comprends, c'est facile à développer, mais en fait, c'est immonde, ne fais pas ça. Exactement. Ou à l'inverse, quand le designer dit ah mais ça c'est chouette là, ça serait bien que c'est que quand il déplace les yeux, eh ben ça suive le regard. Ouais, non mais non, on peut pas faire ça en fait. Ce genre de je prends les cas extrêmes, mais on voit l'idée. Mais c'est pas possible qu'il y ait une webcam, on peut pas l'activer, avoir une IA qui suit les non on peut pas non. Et puis du coup ça permet de débloquer des situations où par exemple la graphiste va proposer quelque chose et en fait le développeur trouve pas de solution et en fait du coup vu que j'ai pu apprendre à coder en CSS, j'ai pouvoir aider en fait l'équipe et peut-être apporter un peu de mon expertise à ce niveau-là. Ok, du coup merci à tous les deux pour répondre à cette question. Encore une fois, dernière chance si vous avez encore des questions à poser. Après on va clôturer ce live, on est arrivé au bout de l'heure prévue. Donc voilà, pensez à hello@lebocal.academy si vous avez la moindre question. Et du coup, moi c'est le dernier point voilà, que je vais aborder avec vous. Est-ce que vous avez une conclusion, un peu quelque chose à apporter, votre vision globale aujourd'hui de ces trois corps de métier et même des autres métiers, on va même élargir voilà, au DevOps, etc. Vous aujourd'hui, vous fonctionnez d'une certaine manière. Est-ce que vous voyez demain une tendance, vous voyez demain de nouveaux challenges, vous voyez demain que voilà, de manière globale, comment est-ce que vous voyez l'avenir par rapport à ces métiers? Est-ce que ça augmente? Est-ce qu'ils vont se diversifier? Est-ce que vous voyez que ça va se complexifier d'une certaine manière? En fait, notre vision, elle est assez simple. C'est que le marché, il va continuer à augmenter. En fait, il est tiré par le haut. En fait, par rapport à tout ça, on le voit clairement, la croissance de tout ce qui est Facebook Ads, Instagram et les autres. En gros, la partie vraiment création de site, elle est portée par aussi la nécessité du commerce et du marketing. Et on le voit par rapport aux publicités qui prennent de plus en plus part de marché, on va dire, dans le monde des publicités. Mmh. Donc, ça devient un incontournable. Et donc, les livrables rattachés à ces publicités, comme les landing pages, entre autres, voilà, on voit clairement qu'il y a encore de la croissance. Et que plus on aura de la croissance, plus il y aura effectivement de la compétition, ce qui va nécessiter encore plus d'expertise. Mmh. Et va nécessiter voilà, des... plus de personnes inscrites dans le même projet. Donc c'est clair, voilà, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que pour nous aujourd'hui la vision c'est que les sites deviennent de plus en plus le pilier de croissance numéro 1 des entreprises et c'est une nécessité en fait de les considérer en tant que tels. Là pour le coup je m'adresse vraiment aux chefs d'entreprise parce que vraiment au quotidien quand j'ai le rôle aussi de commercial par rapport à ça et je vois au quotidien des patrons qui ont une mine, voilà, une pépite dans les mains mais qui ne considèrent pas vraiment l'utilité de leur site web pour leur croissance, mmh. alors que ça devrait être leur meilleur allié et ça pourrait remplacer ou en tout cas accompagner et soulager leurs commerciaux. Donc la vision, c'est clair, c'est le site web doit vraiment accompagner la problématique de l'entreprise d'un point de vue commercial ouais. et que ça va nécessiter de plus en plus, on va dire, des expertises par rapport à ça. Donc on tend vers cette complexité. Et même au-delà du site web, ça c'est vrai que c'est une tendance que, bon, ça c'est un constat personnel. De quand je faisais encore donc la prestation TPE PME en développement, c'est que ce soit sur le site web ou même sur les produits applicatifs, donc où pareil il y a du travail, il y a quand même du marketing qui va travailler, il y a quand même pour la promotion, il y a quand même de l'UX, encore peut-être même encore plus mais dans un autre style pour tout ce qui est la conception de l'ergonomie de l'application web en elle-même, le développement, etc. Il y a tout un tas de corps de métiers qui vont bosser encore une fois et que aujourd'hui les entreprises commencent à prendre conscience, heureusement, mais que c'est leur outil de travail essentiel. C'est-à-dire, j'avais encore rencontré des entreprises, moi, quand je travaillais dans la prestation, qui me disaient « Ah oui, mais je ne vais pas investir, je ne sais pas, X milliers d'euros dans cette application. » Et en même temps, quand on leur demande de pitcher leur entreprise, ils disent « Mon entreprise, alors tout va se centrer autour de cette application-là. » Et donc, en fait, ils avaient mis plus de budget dans la publicité ou de standard ou dans la voiture de fonction que dans l'application et dans la landing page ou le site vitrine qui sert à faire la promotion de cette application, alors que finalement, c'est leur gagne-pain. C'est leur outil de travail, c'est-à-dire que tous les employés qui vont embaucher et qui vont payer beaucoup plus cher que le site finalement ou l'application vont travailler sur ce support-là. Et donc, il y a un moment, je
plutôt d'accord et je pense que j'espère qu'il y aura encore plus cette prise de conscience de si aujourd'hui il y a un truc central dans beaucoup d'activités, c'est le digital, et que à refuser d'investir dans le digital parce qu'on se dit bah non, à la place je pourrais prendre, je sais pas, un employé en plus. Oui, mais d'un autre côté, en même temps, il va travailler sur quoi ? Bah, sur la plateforme qui a été développée. Donc, c'est un peu le serpent qui se prend à la queue. Et par rapport au support, en fait, nous, on voit une tendance, mais depuis des années, c'est vrai qu'en y prenant du recul, on s'en rend compte très facilement. C'est aussi, à l'intérieur d'une page, l'expérience qui, pour moi, va se complexifier au sens où, à l'époque, un simple site web en mode blog avec du texte est suffisant pour avoir du trafic. Mm-hmm. Ensuite, on a eu besoin des images qui soient bien mises en place. Maintenant, il faut absolument une vidéo pour que telle ou telle page convertisse et aille jusqu'au bout. Et pourquoi ne pas tendre vers carrément encore plus d'expérience ? Et on va à la course également, comme on disait tout à l'heure, à des pages, des livrables, en tout cas digitaux, qui ont un niveau d'engagement par l'interaction, on va dire. Ouais. Bon, au-delà de la... Parce qu'on est dans l'ère encore de la vidéo qui est la plus engageante. On le voit sur les réseaux sociaux. Enfin, tous ceux qui sont experts dans l'acquisition, ils préconisent la vidéo plus que l'image. On le voit, TikTok, par exemple, c'est un meilleur exemple. C'est-à-dire qu'Instagram est en train de se faire détrôner par TikTok. Pourquoi ? Parce que le format vidéo est encore plus engageant, naturellement. Et de la vidéo courte, en plus. Et on est toujours sur le côté de plus en plus impatient. Il faut consommer l'information rapidement. C'est ouais. Ça. Et dans la partie web, en fait, au final, c'est un des reflets. Et il est nécessaire en fait d'anticiper ces tendances de comportement. Et là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, je dis souvent, malheureusement, c'est le marché français qui veut ça, entre autres, c'est que pourquoi nous, on a choisi WordPress, c'est que 80% de nos clients, ils ont un budget pour WordPress et pas pour un site web très compliqué qui nécessite du gros code. En revanche, je pense que cette course vers l'interaction va nécessiter donc du coup de coder des choses qui sont super smart et donc va remettre en avant énormément sur les besoins du marché des codeurs qui ont un niveau de donc à la fois de les développer, donc de les concevoir techniquement, mais aussi de les designer, de mettre en place stratégie qui va autour. Donc on est toujours sur une croissance, sur une pas une complexification mais une évolution et un besoin constant de renouvellement qui fait que les métiers du web ils ont encore un bel avenir devant eux quand et même le tout sur un écran. Et le tout sur un écran, c'est ça, évidemment. Voilà. Ah, j'ai une petite question de Fabrice que je viens de voir. Comment abordez-vous, alors c'est pour vous, comment abordez-vous la partie recherche utilisateur ? Il dit exploration, entretien avec les utilisateurs cibles, questionnaire. Et est-ce que c'est un seul métier, donc UX, ou est-ce que c'est plus que ça, une équipe pluridisciplinaire, ou c'est plusieurs compétences ? Nous, en fait, on l'inclut dans les échanges au début, au niveau plus marketing. On peut pas aller aussi loin au niveau de l'UX parce qu'on n'a pas des applications ou des sites assez gros et avec assez de budget. C'est souvent des sites qui doivent être rapides et le temps de visite est pas super long on va ça. Dire que ça convertit pas, mais on va pas on va pas être sur une application, on va être à 2-3 minutes de temps d'utilisation comme quand je commande un Uber ou voilà, on va pas être ça plus long quoi. Pour avoir fait un peu de recherche utilisateur dans d'autres, avant d'être à Polarize pour un côté plus freelance, ce que je faisais c'était entretien utilisateur et questionnaire, c'est ce qui marche le mieux en général. Mais après, nous, du coup, on l'inclut directement dans les échanges. En fait, on a un brief qu'on envoie au client avec, même pas 10 questions. En fait, on essaie d'être le plus pertinent possible et de guider le plus possible le client. Et en fait, à travers ces questions-là, on va essayer de comprendre derrière le comportement que va avoir besoin d'avoir l'utilisateur. Ok, mais du coup cette recherche utilisateur, tu dis le brief, c'est le brief qui est envoyé plutôt par l'équipe market, et ça répond aussi un peu à la question, c'est que ça va être le travail de l'UX d'être capable de le concevoir, mais qu'à un moment il y a une analyse qui doit être pluridisciplinaire, dans le sens où finalement le développeur à la fin, vu que c'est lui qui va l'intégrer, il va avoir son mot à dire. Côté marketing, ils vont avoir aussi leur mot à dire en disant que c'est super d'avoir fait une recherche utilisateur. Tous les utilisateurs disent de manière concrète, on veut le gros bouton vert au milieu, alors qu'en fait, l'objectif marketing, c'est qu'ils cliquent sur... c'est pas qu'ils cliquent, c'est qu'ils aillent voir un truc plus bas. Et donc, du coup, il y a peut-être quelque chose à jouer aussi. En fait, oui, les recherches qu'on peut poser par rapport à la question, c'est raccroché en fait au persona canvas. Alors, il y a plein de méthodes pour faire les recherches, mais typiquement, un persona canvas, c'est une méthodologie avec plein de questions, en tout cas plein de thèmes qui permettent de comprendre quels sont le ou les personas cibles principaux
à qui on doit s'adresser. Et ça, c'est super important. C'est le début de tout pour la partie marketing digital, parce que une fois qu'on a cette information-là, on sait comment on va orienter notre copywriting, la façon et le style aussi d'écrire. Est-ce qu'on la joue un peu jeune avec une façon de faire? Est-ce qu'on la joue un peu plus sérieux? Parce que clairement, on est sur un thème qui est beaucoup trop sérieux pour pouvoir s'amuser à mettre même des emojis, par exemple, dans les textes. Mais effectivement, on doit savoir quelle est notre cible. Ça va au niveau socio-démographique et pas que juste l'âge, par exemple. Mm-hmm. Donc là, il y a des canevas, hein, vous pouvez le trouver sur Internet. Vous tapez Persona Canva, c'est toutes des problématiques aussi de gross hacking, par exemple, ou gross marketing. Et ça permet en fait effectivement de toujours garder en tête quand on fait la maquette et surtout quand on considère le wireframe et même la création du contenu texte et visuel, qu'on perd pas de, on va dire, on perd pas de, en tête que on doit s'adresser à une certaine typologie de personnes. Et qu'en fonction de ça, si on veut vraiment convertir, parce que c'est notre objectif, hein, je le rappelle sur les landing pages, on doit avoir le bon discours adressé à la bonne personne. Ok, et donc finalement... La recherche, nous, c'est le côté marketing, effectivement, ouais. Même si le UI UX est, encore une fois, une réponse. Donc nous, on a plus le côté la théorie, vraiment la recherche, etc. Mais le UI UX va apporter des réponses. Ce qui fait noter, finalement, je pense qu'on peut conclure dessus, que, en fait, à l'échelle micro, chaque métier ou chaque métier, d'un corps de métier a ses spécificités. Entre quelqu'un qui va être dans le marketing digital, mais qui va être plus spécialisé conversion, qui va être spécialisé acquisition, qui va faire de l'analyse, qui dans l'UX, qui va faire de l'interface, qui va faire de l'expérience utilisateur, un développeur front, back, un DevOps, bref. Chacun va avoir des problématiques à l'échelle micro, donc dans son domaine qui lui sont propres, qui est complètement imperméable. Par contre, dès qu'on monte, qu'on prend un peu de hauteur à l'échelle macro, on se rend compte que ce soit le développeur ou n'importe qui d'autre, ou dans le cas par exemple de la recherche utilisateur, c'est complètement perméable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas des autres. Le côté marketing, tôt ou tard, ils vont avoir affaire à l'UX ou inversement dans le cadre de la recherche utilisateur, par exemple, pour reprendre la question de Fabrice, pour dire que voilà, il y a le côté, on a constaté ça chez l'utilisateur, ensemble, on va trouver une solution qui correspond à toutes les problématiques et chacun, en fait, va un peu défendre son beefsteak pour essayer de trouver le meilleur équilibre. Du coup, encore une fois, merci pour les questions. Tout le monde, je pense qu'on va pouvoir conclure. Voilà. En tout cas, du coup, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Nicolas, merci Laetitia d'avoir participé, d'avoir répondu. Déjà pour commencer, une tradition YouTube oblige, pensez à vous abonner, activer la cloche. Enfin, vous connaissez l'histoire, je ne vous la raconte pas, mais en vrai, franchement, pensez à un petit like, un abonnement, c'est toujours super intéressant. Si vous avez aimé ce webinaire. Pareil, si vous avez besoin de plus d'informations sur nos invités sur Polarize, vous pouvez aller sur polarize.io, leur site. Également, si vous avez besoin d'informations, vous êtes intéressé par une des formations donc en développement web en présentiel sur Nice ou sur Marseille avec le Bocal Academy, ou en marketing digital, en UI UX ou encore en développement web avec Codineo, accessible partout en France. Donc pareil, des formations à distance, donc avec des intervenants en live comme là maintenant, mais avec qui vous pourrez avoir des interactions parce que vous pourrez aussi, ils pourront vous voir, vous pourrez les voir, parler en audio, transférer des fichiers, discuter, etc. Et l'idée pour tout ça, c'est vous allez donc soit sur lebocal.academy pour le bocal, soit sur codineo.io et vous choisissez la formation, vous pouvez télécharger la brochure et évidemment vous pouvez nous contacter. Pour nous contacter, c'est simple, hein, donc c'est hello@lebocal.academy ou hello@codineo.io. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour répondre à vos questions. Et merci encore une fois de nous avoir suivis. Du coup, on vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour le prochain webinar dont la date est la date exactement en tête, c'est début février. Je vais vous le dire tout de suite. Voilà, on voit celui qui n'avait pas les notes sous les yeux. Alors, la prochaine date de webinar sur notre formation, la nouvelle formation en alternance du Bocal Academy, ce sera pareil à 18h et c'est le 3 février. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci, au revoir.